Il y a un Cloud. Oh mon dieu, quelle insulte, un Cloud. Oh là là. Nolet, elle joue Cloud. Il a vendu son âme. Donc, je disais, grosso modo. Bon, bah non, bah en fait, tout ce que je disais, c'est faux. Mais alors, il faut savoir que Ganondorf est l'autière. Hein. Ça, c'est. Voilà, hein, tout le monde le sait. Mais alors, Team Ganondorf, les gars, je vous le répète, c'est complètement dangereux. C'est pour ça que d'ailleurs, Noluck a switché sur Cloud. Parce qu'apparemment, il a eu un mauvais vécu contre les deux Ganondorf. Donc pour le moment, on a le Bass, hein, donc le Mega Man bleu, qui n'a plus de blanc. Ah si, ça y est, il commence à prendre les dégâts. Les gars, non, ils ont pris les dégâts, mais c'est normal, c'est des sacs. En fait, la stratégie là dans ce match, ça va être quoi? Ça va être les Ganon, ils vont devoir essayer de pousser un joueur. Et dès que le joueur est poussé, voilà, ils tentent l'edgeguard à deux. En fait, c'est même pas un seul, c'est deux. Voilà, hop, le Cloud il est mort. Voilà, boum. Allez, maintenant, c'est Mega Man. Ah, c'est voilà, c'est ça. C'est on en pousse un offstage et après. Voilà, donc c'est la strat, mais une strat qui a l'air de bien fonctionner. Allez, side B, c'est rentable. Bien joué. Cloud qui est déjà que à une stock. Mon dieu, que ça va vite. Enfin, pendant ce temps. Oh, ils ont. Ah non, le Ganon qui a mis un bacar à son camarade. C'est dommage. Malgré ça, ils ont quand même un bel avantage. Le Megaman qui est en offstage. Wouh, c'est dangereux pour Cloud. Oh, ils sont pas les Ledgeguard, il a eu chaud. Oh là là, ce up smash perdu là m'amène. Oh là là. Bon, c'est un beau bordel. Bon, on essaye de regarder un peu le taf du Megaman. Donc ça met les pochos à droite, à gauche, ça met les poussants et après Cloud doit terminer avec sa limite. Mais pour le moment, il a l'air quand même de prendre cher. Hein, contre les... Ah voilà, c'est les deux Ganon sur off-stage. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait. Il a rien fait, il a pas side B, rien sur l'edge alors que c'était free as fuck. Oh my god quoi. Ah mais franchement ce Cloud là il devrait retourner sur Megaman, hein. C'est mieux pour lui, c'est mieux pour la planète. Voilà. Allez, et la passe ça fait quelque chose? Non, ça n'a pas suivi. C'est dommage. Megaman qui a l'air d'avoir quand même la pression mais il tient les stocks. Hein. Le Cloud qui est déjà mort, hein, c'est free. Donc au fait au final c'est avantage au Ganon. De peu, mais avantage au Ganon. Alors est-ce que le... Ah voilà, ça y est, ça a éjecté le Megaman, mais au lieu d'aller l'éjecter, ça ça se concentre sur le Cloud pour les Edgeguard. Pour les Edgeguard, franchement, voilà, on en a un autre qui est mort. Ça se fait des passes, mais ça confirme pas. Hop, le Shoryu, pourquoi? Ledge Dodge, bien joué. Il tire d'air dodge, up air, boum. C'est imposant, hein, Ganon, c'est imposant, ça fait peur. On a peur de se manger n'importe quoi quand il y a double Ganon, je vous jure. Pour avoir vécu le truc plusieurs fois, c'est complètement pas l'autière, hein, en tout cas, je vous le dis. Hein. C'est pas estière, hein, mais c'est pas l'autière, hein. C'est vraiment pas de mieux. Hop, ouh, le smash qui a failli être dramatique pour le Cloud. Bon là, du coup, une stop partout, hein. Une stop partout pour cette Noluck saga. Cette fausse Noluck saga, parce que Noluck joue Cloud et non Megaman, on s'est trompé, hein, sur les artworks. Allez hop! Attention, let's guard! Oh, il a eu chaud le Cloud! Mad comme d'hab qui fonce sur son coéquipier. Il a mal DI! Alors voilà, allez! Il a tech! Et le Cloud qui meurt! Mais alors Karma il est en mode tranquille! Voilà, allez, vas-y, c'est tranquille, il avait plus son saut! Karma il assure les arrières! Hein. Pour le moment, je vois qu'il y a que Karma qui fait le taf! Hein. Karma qui carry no luck! Mais à 200%! Honnêtement, je suis extrêmement déçu de Noluck. Hein. Franchement, il gagne le tournoi avec Cloud et après il sort Cloud en double. Même pas foutu de gagner un tournoi avec Megaman, quoi. Franchement, ça vient du Japon, ça dit ouais, j'ai tryhard, je suis trop fort et tout. Ouais, ça joue Cloud. Voilà, donc franchement, et lui-même il le dit, hein, Cloud ça devrait être banni. Donc voilà, hein. Pour ceux qui regardent cette vidéo, je vous invite à aller sur Twitter et à faire hashtag bancloud. C'est vraiment la Cloud War. Donc voilà. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on va avoir un double Megaman ou pas? Pendant ce temps, on a le Théo du tournoi et Jeron qui part, il s'enfuit. Il rage quitte le tournoi. Hein. Donc c'est le Théo qui laisse ça à NTK. Donc voilà, hein. Merci. Merci les Théo de Strasbourg de laisser le boulot parisien. Enfin, bon, ok, c'est une joke, hein, mais... Qu'est-ce qui se passe? Max, ma casse PC, elle est où ma
on se bat demain. C'est quoi? Pourquoi ça me bat? Bon, moi, de toute façon, je sais que je suis casé, donc... Ah non, moi, tu sais que je suis pas un mec qui geek, hein. Moi, je vais en boîte et tout, hein. Ah ouais, clairement, bah t'as pas vu, hier, j'ai quasiment pas joué à part le double, hein. Tu regardes, moi, je suis mec posé, tu vois. Je rentre vendredi matin. Donc, t'inquiète, moi, j'ai ma dame, mais ça me dérange pas, hein. Voilà, c'est la petite vacance. Alors, on est reparti sur le match. On fait des bisous à Francis, à Max, merci encore pour tout. Porte-toi bien. Soigne-toi bien. Allez, oh, c'est la sortie de Didou. Daddy fuck, my god. Qu'est-ce qu'il fasse? Je crois que la strat avec Daddy Doo, c'est en fait, il va faire des mini-hérissons et le Megaman va faire des passes au jab. Je crois que c'est la strat en fait. Parce que les Ganondorf, ça aime pas les mini-hérissons. Hein. Mais alors pour le moment, ça, la strat a pas l'air d'être tip-top. Hein. Ouais, c'est ça. Oh là là, le vrai tu vas mourir! Yeah! Oh là là, ce Warlock Punch de puissance là! Alors. Oh. Daddy Gras, il est en PLS, hein, Daddy Gras. Excusez-moi. Oh, le vol! Non, c'est bon, c'est Daddy Doo, il revient. BOUM! Allez, dégage! Pendant ce temps, Karma, il fait son taf, hein. Karma, 69%. Allez, hein. Franchement, Karma. Allez. Eh, franchement, Karma, il carry No Luck, mais à 100%, quoi. Vraiment. La vraie strat, c'est No Luck, il sert à rien. Il se fait faire Ganon Side pour enlever les vies. Et après, No Luck, il conserve pour essayer d'avoir l'avantage, quoi. Oh mon dieu. Oh. Oh, cette air dodge de free jab. Oh. Oh, comment il est free. Oh mais No Luck quoi, il a vraiment No Luck quoi, c'est le pauvre. Ah purée. Alors les canons là, est-ce qu'ils vont me faire du sale là? Est-ce que je veux voir du sale? Allez les gars, je veux voir du sale. Pendant ce temps, on a Ryuji, le Megaman Destructeur qui essaye de s'occuper de Karma. Roger, je sais pas, il est peut-être aux toilettes. Oh le break kill! Le break kill! Yeah, Daddy Gras! Oh il s'est raté! Oh là là, c'est la PLS, j'ai entendu un nom en avance. Ah ouais, alors lui il a vraiment tout compris quoi. Il a fait, ah vas-y, j'y vais. Vas-y, hein, rentre bien, Francis. Ciao, ciao, Max. Alors, du coup, ça, hall de nerf. La petite passe à Ganon, Ganon est passé. C'est le Dantil. Allez, maintenant on va voir. Est-ce que ça va faire un fiesta? Moi je veux voir du jab up smash. Oh, ça respecte pas Daddy Doo. Oh, le bâtard Daddy Doo. Ah attention, technique. Oh la tech to there, c'est magnifique. Oh là là, la jeunesse contre la vieillesse, hein. Ocarina Ganon versus Twilight Ganon. C'est du beau jeu, hein. Franchement. C'est loser final, on voit qu'il y a 3 joueurs, ils méritent leur place de loser final. Par contre, il y en a un, on sait pas qui s'y fout là. Complètement. Alors, No Luck qui a gagné le single. C'est 1-1, il y a 1-1. Pour Mad. Mad Rugé. Alors. Qu'est-ce qui passe ça? Ils sont allés sur quoi? J'ai pas vu. Destination finale. Falcon. Alors, No Luck qui prend son free Falcon là. Honnêtement, je crois qu'il a pas envie de gagner le double. Je crois qu'il a vraiment pas envie de gagner le double. Oh, ce der des enfers. Le plus. Ah, j'ai tellement envie de voir ce combo. Allez, terre, repère, allez.
c'est pas grave, celui qui passe, bonheur la chance. On sent que Matt il s'en fout complètement de son pote. Hein. Vraiment. Ah. Et pendant ce temps, Karma il fait le taf. Hein. Karma, je crois que c'est celui qui fait plus de café dans ce set. Vraiment. Il est à 38% et franchement, limite, il pourrait faire 2v1 contre les Ganon, ce serait pareil quoi. Pendant ce temps, Falcon, bah. Il a une stock, tout le monde a 3 stocks, il est déjà mort! Le mec, j'étais tellement free! C'est pas le code! Oh mon dieu! Karma il fait tout, hein. Il fait tout. Donc je rappelle, hein, Karma qui est le frère de Gluttony. Hein? Donc qui joue Megaman. Qui représente Vas-y, Burger King, on va tous chez Mad, comme ça on fait du complot après. Vous êtes toujours après le complot ou pas chez Matt? Non. Der. Oh le Spike. Ça va vous le Spike et Falcon? Oh là là. Oh cette catastrophe, c'est une hécatombe. Vraiment mais c'est... Oh là là. Ouais grave, Karma elle est sur. Karma il est encore sur sa première stock hein. Le Falcon est déjà mort. Et ouais franchement le team play à Strasbourg allez chasser. Non mais franchement hey, Karma mon pauvre. Elle dit lui de jouer Megaman hein. Parce que là c'est chaud hein. T'inquiète, on ira vite. On ira vite. En fait, il faudrait que Nolo qui prenne pas Megaman. Ah bah merde, il a pris Megaman. Eh, c'était BO3, hein, la loser. Hein. Non, je rigole. Il y a cru. Ah ok, en fait, il a laissé les games maintenant. Allez, c'est reparti sur Megaman. Donc, voilà, donc, comme je disais au début de cette vidéo, double Megaman contre double Ganon. Normalement, les Ganons sont sortis. Oh oh oh, pousse tout le tout faire. Dommage, Nolo qui a pas suivi le truc, mais... C'était sexy. Donc toujours le même plan de jeu, Nolok devant, Karma derrière. Karma qui banque très très bien, honnêtement. En tant que méga... Oh, elle est foutue sous le combo. Franchement, il les place, hein. Il les place, donc vraiment derrière, il ramène le mec. Et après, il fout sous. Donc vraiment, ça sert à rien d'aller chercher. Alors, ce que j'ai entendu, trop facile à ride, c'est un bouquin ouvert. Message de Ganondorf, quoi. Je crois que c'était Mad. Je crois. Allez, et Nolok qui prend vraiment chier sur toutes ces games. Je crois qu'il est plus dedans là. Genre là, il est en train de se dire putain, j'ai fait mon malin, mais la France est vraiment en avance hein, sur le double. Et Karma qui a enlevé une stock, hein, complètement. Oh là. Il y a un placement assez intéressant. Hein, genre, le Karma qui reste vraiment au bout, il s'en fout. Genre vraiment il aide pas Nolok hein. Vraiment c'est genre il est censé. Alors voilà, son taf c'est de mettre les poussons dans le tas. Il laisse Nolok dans la merde. Mais il banque pour lui. Il banque. Allez ça passe. Ah neutral, ça pas connecté, dommage. Ah ça y est. Technique ancestrale, les upper ultimate infinite upper. Ça c'est un truc qui peut être vraiment violent. Ouh, cette punition dégueulasse, mais c'est bon. Le coéquipier a rattrapé. Hein. D'autres Smash qui a whiff, mais l'autre qui était là pour récupérer Up Smash. Oh là là, la pluie de terre là de Ganondorf, je te jure, ça fait peur. Oh, les Ganon, ils passent par vie offstage, je sais pas pourquoi, mais bon, apparemment ils s'y plaisent. Ah, il y en a un qui est mort. Ouais, ah, c'est double paire. Hein. C'est plutôt even, hein, mine de rien. Mine de rien, c'est plutôt even. Oh là là. Ah, il a pas neutre à l'air. Hein. Il aurait fait neutre à l'air, Matt. C'est bon, il avait. Oh là là, le spike. Leshram spike, allez hop. Ouais. Ça, c'est clair et net, quoi. Passe. Ça a pas follow up, mais ça a tenté. C'est dommage. Ah, Karma qui se retrouve pour une fois au milieu. Ouais, qui. Nolok qui est déjà mort. Il a pris un chassé des enfers. Il a pris immédiatement Illico la stock de Karma, puisque c'est lui le banqueur.
dans cette équipe. Donc franchement, mine de rien, les Ganons, c'est vraiment pas mal en double. Hein. Genre, ça fait du dégât et ça tue. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et offstage, c'est pas dégueu. Allez, hop. Oh mon dieu. Ouais, le chasser. Chasser, est-ce que ça... Non, oh là là, il a eu chaud, no luck. Il est chaud, il est en train de se chier dessus, dieu. Ah ouais, ouais, ouais. Oh, le spike est pas passé. Ça tente... Ouais, franchement, ils sont en train de se faire des trucs. Le smash qui passe, bien, bien placé. Alors, est-ce qu'il va y avoir une petite passe, la passe de follow-up pour... Allez, non, chasser, c'est bon. Le bass, il est mort. C'est fini. Oh, la bicyclette, allez. Oh, il est top, mon gars. Allez, up smash, allez. C'est free. On balance partout. Chasser, chasser, chasser. Il est quelle heure, là? 2h. Allez, hop, c'est fini. Victoire de la team Ganon. Donc voilà, hein, je vous dis, hein, Ganon, c'est un match-up sur double Megaman, hein, clairement.